Alors, mon astuce pour mieux vivre ses émotions, c'est cet outil que je vous propose. C'est un outil qui permet à l'enfant de pouvoir se concentrer sur lui-même, sur savoir ce qu'il ressent, essayer de reconnaître son émotion. Et à l'aide d'une petite étiquette avec un scratch, d'aller pouvoir mettre son prénom dans l'émotion qu'il ressent. Alors ça peut être la sérénité, la tristesse, la joie, la colère ou la peur. Et donc en mettant à disposition cet outil à la maison, l'enfant va pouvoir, à chaque fois qu'il sent qu'une émotion est un peu forte ou quand il sent qu'il change d'émotion, pouvoir simplement le ressentir et du coup mettre son prénom dans l'émotion où il se trouve. Il y a deux avantages à ça, c'est que l'enfant déjà apprend à mieux se connaître et donc à mieux se comprendre en allant chercher dans quelle émotion il se trouve. Et ça permet aussi une meilleure entente familiale parce que quelque part, quand on sait que sa fille est dans la colère par exemple, eh bien on va pas s'adresser à elle de la même manière que si elle est dans la joie. Donc ça permet vraiment d'avoir un outil efficace pour avoir une vie plus apaisée à la maison.